Depuis longtemps, nous envoyons des artistes canadiens aux États-Unis pour se faire connaître. Certains sont excellents et d'autres sont médiocres. Mais un d'entre eux est arrivé à se distinguer des autres. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? All righty then. I grew up in Canada. Is there anybody here from Canada? James Eugene Carey, alias Jim Carrey, commença très jeune à développer son talent d'humoriste. Encouragé par ses parents et d'autres humoristes canadiens, il débuta dans de petites salles. À la suite de son succès, on l'invita au Comedy Club, où il se fit connaître par les réalisateurs de l'émission In Living Color. Dans la fameuse émission In Living Color, Jim Carrey joua des personnages plutôt farfelus, tels que Vera de Milo, et quelquefois des parodies de films classiques tels que Rocky. Mais pas seulement cela, il a aussi été invité à collaborer avec des célébrités telles que Jamie Foxx, bien connu pour son personnage de Django dans le dernier film de Tarantino. Mais surtout, le personnage le plus populaire qu'il ait joué dans l'émission, à part Vera de Milo, et qui lui a permis de rentrer dans le show business du grand écran, reste Fire Marshal Bill, un homme un peu cinglé qui s'occupe de la prévention contre tout danger auquel la population pourrait faire face. En 1994, Jim Carrey obtient son tout premier grand rôle, Ace Ventura, un détective qui opère seulement dans le domaine animalier. Dans ce film, il est appelé à retrouver la mascotte d'une équipe de football, un dauphin. Cette même année, il joue le rôle qui le rendra célèbre, Stanley Ipkiss, alias Le Masque, un banquier timide qui devient ce qu'il aurait toujours souhaité être, de zéro à héros, une collaboration avec Cameron Diaz. Un autre succès frappant pour lui, La Cloche et l'Idiot, deux meilleurs amis qui traversent toute une aventure ensemble pour redonner une mallette perdue à sa propriétaire. En 1995, il aura la chance de jouer aux côtés de vraies célébrités telles que Val Kilmer, Tommy Lee Jones et Nicole Kidman, dans Batman à jamais. Jim ne jouera pas le gentil, mais bien le méchant, le Sphinx. Val Kilmer dans le rôle de Batman, Tommy Lee Jones dans celui de Double Face, et Nicole Kidman dans celui de Dr. Meriden. Un peu plus tard cette année-là, il nous revient avec son personnage comique dans la suite de Ace Ventura, Ace Ventura, l'appel de la nature. Dans cette suite très attendue, Ace est appelé à retrouver une chauve-souris sacrée pour deux tribus d'Afrique. En 1996, Jim Carrey collabore avec Matthew Broderick dans le film Le gars du câble, une comédie hilarante. Un gars du câble seul et disjoncté, élevé par la télévision, qui se cherche tout simplement un nouvel ami. Mais lorsque ce dernier le rejette, il s'ensuit une série de conséquences comiques. Ensuite, en 1997, il nous emporte dans l'univers d'un avocat et père de famille divorcé, mais un très grand menteur. Et lorsque son fils souhaite qu'il ne mente pas pendant 24 heures, les choses tournent au vinaigre pour lui. En 98, il change complètement de style pour aller dans le dramatique. Truman Burbank ne se doute peut-être de rien, mais il est la vedette d'une télé-réalité des plus populaires au monde. Tout ce qui se passe autour de lui n'est que du acting. La seule personne qui soit vraie, c'est lui. Mais que se passerait-il s'il découvrait la vérité? Un film pour lequel il mérita un Golden Globe. L'année suivante, il continue sur sa lancée de dramatique avec Man on the Moon, un film racontant la vie d'un humoriste très connu aux États-Unis, Andy Kaufman. Un homme que tout ce qu'il fait devant les gens fait partie du jeu. Un autre Golden Globe pour Jim Carrey. En 2000, Jim lâche le drame pour retourner au comique avec Moi, Moi-même et Irène, avec Renée Zellweger. Charlie Billy Gates, un gentil policier coquifié par sa femme, cache une toute autre personnalité, Hank Evans, qui essaye d'aider Irene Waters à fuir des méchants malfrats qui essaient de la tuer. Une comédie romantique. Cette même année-là, Jim Carrey tient la vedette dans le film Le Grincheux,
Grinch étant un chou différent des autres, n'a jamais eu la chance de faire sa place. Et lorsque les élèves de sa classe se moquent de lui à Noël, il s'isole. Jusqu'à ce qu'une petite fille tente de lui redonner la joie de Noël. En 2001, Jim repart sur le drame avec The Majestic. Un homme ayant perdu la mémoire après un accident de voiture trouve une place au sein d'une petite ville où on le prend pour le fils perdu d'un vieux propriétaire de cinéma. En 2003, Jim retourne au drôle. La vie de Bruce Nolan, un reporter ambitieux, change lorsqu'il fait la connaissance du créateur avec Morgan Freeman. En 2004, Jim nous surprend avec un film profond, La tête pleine de soleil, avec Kate Winslet. Joel Barrich est un homme solitaire et routinier, mais lorsqu'il fait la connaissance de Clémentine, tout bascule. En premier, leur relation, ensuite, leur rupture, puis la décision de Joel de s'effacer la mémoire pour oublier Clémentine, à jamais. Cette année-là, Jim arrive avec les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. À la mort tragique de leurs parents, dans un incendie, les trois Baudelaire n'ont d'autre choix que d'aller vivre chez leur oncle Olaf, un comédien raté et maléfique qui tente, par tous les moyens, d'empocher l'héritage laissé par les parents des enfants Baudelaire. En 2005, Jim Carrey fait une collaboration avec Téa Leoni et Alec Baldwin dans le film Les Folies de Dick et Jane. Dick Harper travaille pour une grande société, mais alors qu'il a été promu à un très grand poste, la compagnie fait faillite. Et dès lors, il doit trouver une solution avec sa femme pour subvenir aux besoins de sa famille, pour ne pas chuter comme ses anciens collègues l'ont fait. En 2007, Jim fait son tout premier film d'horreur, Le Nombre 23. Walter Sparrow, un père de famille aimant, trouve par hasard un livre intitulé Le Nombre 23. Mais il devient obsédé lorsqu'il commence à penser que ce livre a été écrit à propos de lui. Un thriller qui vous tient éveillé tout le long. En 2008, Jim revient avec une comédie hilarante, Monsieur Oui. Carl est un homme qui dit toujours non à tout et qui se referme de ses amis. Mais tout change lorsqu'il rencontre un homme qui le convainc de dire oui à tout. À la vie. Carl devient dès lors un super ami et une personne extraordinaire. L'année suivante, il arrive avec un tout nouveau personnage dans le film Je t'aimerai toujours, Philip Morris. Steve Russell, un policier honnête et bon croyant, découvre qu'il est gay et quitte sa famille pour devenir un gay accompli. Mais lorsqu'on l'arrête pour fraude, il fait la connaissance de Philip Morris et tous les deux vivent une aventure extraordinaire, basée sur des faits réels. Une collaboration avec Evan McGregor. Récemment, Jim a joué dans le film L'incroyable Burt Wonderstone avec Steve Carell, dans lequel il joue le rôle d'un nouveau magicien de Las Vegas, Steve Gray. À venir, dans le nouveau film très attendu de Kick-Ass, Jim Carrey jouera le rôle d'un ancien criminel repenti de tous ses péchés et maintenant allié de Kick-Ass et Hit-Girl. Pour affronter les nouveaux méchants qui cherchent juste à se venger de Kick-Ass et Hit-Girl. Otherwise, what's the point?